je suis faite pour ce boulot. Je porte bien le chapeau. Même si je suis perplexe, ça me semble si complexe. Mais je ne suis pas ingrate, si c'est moi qui ai fait le coup. Je mange la patate, chaude par les deux. C'est pas dans notre habitude, dans nos habitudes de jouer dehors, on est un peu perturbé. Odile ? Odile Salperwick ? Non ? Bon mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, le spectacle aura tout de même lieu, y'a pas de soucis. Ça c'est moi la piscine ! Ah, ça c'est moi la plage, regarde ! Eh, hey, j'ai un vrai métier moi ! Je me lève pas à midi pour faire le film sur une scène ! Ouais ! Attendez, c'est pas commencé, Odile ! C'est dans une situation précaire là, ouais ! Je reviens de Tunisie, c'était excellent ! Soleil, cocktail, au-delà de ça ! Là, ça fait moi la piscine. Ça fait moi la plage, regarde. Pour faire le spectacle maintenant, parce que là on va jamais s'en sortir, on fait ça, vous êtes ridicule. Tout ce qu'on a travaillé là, le week-end dernier, bah, c'est maintenant qu'on fait, d'accord? Je suis vraiment désolé. Voilà, vraiment désolé monsieur, mais cette fois-ci c'est parti. Ça fait moi la piscine, regarde. C'est excellent. Odile se lève et s'extirpe de son futon. Il est 3h du matin et le soleil n'est pas encore levé. Mais sa bonne conscience a permis à Odile d'accepter de l'énergie en allumant la lumière. C'est moi devant l'hôtel. Attends. Oh. Non mais qu'est-ce que tu fais? Moi devant la piscine. Belle petite toilette au lavabo et à l'eau froide. Ah. Ça rend bien les chiens, ça. Moi devant le buffet de l'hôtel. Arrivé à la machine à café, vous réalisez que le café n'est même pas équitable. Je ne comprends rien. Bah vous voyez les toilettes sèches dans le salon, on finit pour s'y habituer. Je ne comprends rien. On rentre sur son vélo sans oublier son sac de 28 kg de compost pour le jardin communautaire, voilà, c'est ça. Ça c'est moi devant un pauvre à l'entrée de l'hôtel. Ah tiens, bonjour. Quelques personnes ont profité de la porte ouverte pour s'installer chez vous. À l'hôtel, j'ai souscrit un contrat pour planter un arbre, pour compenser toutes mes dépenses énergétiques. Non, autant ne pas descendre de vélo, allez directement voir votre mère pour la prévenir de votre empêchement. J'en profitez néanmoins pour faire un détour de 32 km pour aller acheter des légumes de saison chez un agriculteur du coin. Tous ces millions de morts à cause de moi, c'est... Comment vous faites, vous? Et vous, là? Comment vous faites, là? Vos chemises, elles viennent de où? Et ton mégaphone, il a été fabriqué par un petit artisan local avec ses petites mains? Made in China, mon canapé chez Ikea, venu tout droit des Philippines, mon bœuf importé d'Argentine. Je traverse tous les fuseaux horaires, sans taxes ni frais supplémentaires. Pas besoin de me repérer sur une carte, y'a le monde entier dans mon appart. Je comprends rien, je me barre. Bon, bah c'est ça, allez-y, cassez-vous. Regardez, ils sont venus vous chercher là, vous n'avez plus qu'à monter dans le camion. Non mais c'est vrai Étienne, c'est n'importe quoi ce spectacle là, tout part en volo, elle fait n'importe quoi. Oui je comprends rien et je te dis bien en face, je ne comprends rien. Bah voilà, on est d'accord. Mais moi tout ce que je voulais c'était faire un spectacle. Moi je voulais faire un spectacle. Je le voyais là ce spectacle dans ma tête, il était beau, il était grand, avec un grand cœur de 20 personnes. 20 habitants d'Épinal, mais pas juste votre gueule de merlan frit là. Oui, ma chemise a été fabriquée par des petits enfants chinois. Je casse la tienne, je m'en débarrasse. Oui, voilà, mais je la jette à la foule en délire. Ouais, mon pantalon, pareil. Votre dentifrice Colgate là, regardez ce que j'en fais. Eh, faut pas rester là, Odile. Le vent se lève. Ah, je sais pas, c'est le changement climatique, ça détraque le temps. Faut partir d'ici avant que ça ne vire en tempête. Parce que... Ah, oh. Non, bah ça y est, c'est la tempête. Ah, c'est terrible. La montagne continue de grandir. Grimpez, Odile. Courage. Ah, les flots se déchaînent, Odile. Oh, regardez là-bas, un bateau venu pour nous sauver. Ah non, c'est juste un cargo qui ramène les ordinateurs fabriqués en Thaïlande à partir de composants fabriqués en Argentine et assemblés dans les coques moulées au Togo. Ah, tous ces bateaux, tout ce pétrole. Paf!
c'est parce que je n'arrive plus à m'arrêter de produire et de fabriquer des tas de saloperies qui ne servent à rien. Oh, oh, et vous là-haut sur la montagne, Moïse sur le mont Sinaï, aidez-moi. Il n'y a plus de place. Oh, Odile, ma sœur Odile, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que la tempête qui grondoie et mon estomac qui gargouilloie. Écran plasma, parle-moi, guide-moi, aide-moi, trouve la voie. Grâce à saloperie, le vide en toi se remplira. Rassasié tu seras, enfin heureuse tu te croiras. Mange au moins 5 saloperies par jour. C'est la chanson du Cluedo qui a flingué la planète. Audi qui n'achète pas bio ou un système qui part en miettes. C'est la chanson du Cluedo qui a flingué la planète. Audi qui n'achète pas bio ou un système qui part en miettes.